On change, en 20 ans. Et Parker McKenna-Posey, qui incarnait le personnage de Caddy il y a maintenant 2 décennies, ne pourra évidemment pas dire le contraire. Il y a maintenant 20 ans, les téléspectateurs de la chaîne M6 découvraient une sitcom qui n'a pas manqué de marquer le monde de la télévision, Ma famille d'abord. Cette fiction créée par Don Réo et Damon Wayans a permis au public de découvrir, ou redécouvrir des talents du monde de la comédie. Dans cette dernière, Damon Wayans incarne le rôle principal, celui de Michael Kyle, le père de famille. À ses côtés figure Tisha Campbell, qui incarne le rôle de Janet, sa femme. Tous les deux sont entourés de 3 acteurs de talent qui interprètent leurs enfants. George Ogordeux joue Michael Kyle Jr., l'aîné des enfants du couple. Jennifer Freeman incarne Claire, sa petite sœur. Le rôle de la cadette, Caddy, a été attribué à Parker McKenna-Posey. Cette dernière n'a que 5 ans lorsqu'elle fait ses premières armes en tant que comédienne dans la fiction. Un jeune âge qui ne l'empêche pas d'apparaître dans la série pendant 4 ans, dans l'intégralité des saisons diffusées aux USA et en France. Parker McKenna-Posey avait donc 10 ans lorsque la fiction s'est arrêtée. Aujourd'hui âgée de 28 ans, force est de constater que la jeune femme a bien changé. Parker McKenna-Posey, une maman épanouie plus de 20 ans après ses débuts, Parker McKenna-Posey continue d'exercer dans le monde de la comédie. Cette année, elle est d'ailleurs apparue dans le casting du film The Assistant. Elle a aussi figuré parmi les célébrités conviées à participer à l'émission de télé-réalité Collège Hill, mettant en vedette des célébrités vivantes ensemble et fréquentant l'université Texas Southern. Côté vie familiale, Parker McKenna-Posey ne cache pas qu'elle est parfaitement épanouie. En 2021, elle devient mère d'une petite fille du nom d'Arley. Un enfant qui fait son bonheur au quotidien et dont elle ne se prive pas de partager quelques clichés sur la toile.